So I'm here with Anne in the Teddy de Soirée workshop. Yeah, but it was enregistré. Oh, yeah. And Anne's going to show me how they put the paint on. The silks here. Oh, yeah, la pratique. C'est très pratique pour vous. Attendez, je prépare ma couleur un peu parce que je ne suis pas prête. D'accord. Voilà, je vais faire comme ça. So, quel pain, de l'huile ou de l'eau? De l'eau et de l'alcool. D'accord. De l'eau, water and alcohol. De l'eau et de l'alcool. D'accord. Et alors, donc je vais peindre comme ceci. Tu cherches quelque chose, Christiane? Vous n'avez plus peint? Non, ici on a que le... On a juste... Tu as trouvé la deuxième valise? Ben non, mais je ne trouve pas de panne. Oui, mais là, dans la deuxième valise, il y a des pannes? Non. Je regardais mieux. Mais il n'y a plus d'écharpe. Ah. C'est pas trop détail. Pas trop de détails, c'est-à-dire c'est pour ça que vous faites dans le fruit, dans le fil. Je mets juste la couleur. Mais d'accord, couleur. Voilà. So, ici, ça se fait dans un jacquard. Voilà, c'est tissé d'abord. D'accord. C'est tissé d'abord en deux matières, en soie et viscose. Vous faites ça ici aussi? À 50 km d'ici. D'accord. C'est dans un autre... En fait, en gros, on a besoin de 10 entreprises lyonnaises pour réaliser, juste un instant. D'accord. So these are made 50 kilometers? Oui. 50 kilometers away. They're made on a jacquard loom. Like this chap is here. And I think she said they're a part of a number of enterprises that will work together. Pour réaliser un seul foulard comme ceci, oui. Nous avons besoin de minimum 10 entreprises lyonnaises. Pour chaque façon. Voilà. Alors, ces entreprises sont à 50 km, à 40 km, à 30 km. Dans la Côte d'Oron. Autour de la ville de Lyon. D'accord. Alors, donc, tout d'abord, nous sommes les créateurs du dessin. Le dessin, ça représente la route de la soie. Vous pouvez voir au mur, c'est le même dessin. Ça représente la route de la soie. C'est le même dessin que ce que j'ai ici. Ah, oh, d'accord, c'est la route. Voilà, ça d'accord. Right, so this is the route that the silk and the production takes. So from China, by boat, over to... To Lyon. To Lyon, finally at Lyon, in the corner there. Ah, oh, c'est très joli. Et alors, donc, d'abord c'est ici, nous on dessine sur un morceau de papier. Une fois que notre projet est approuvé, on avait créé ce dessin pour la Biennale de la danse à Lyon, okay. La route de la soie. Une fois que notre projet est approuvé, on va faire tisser dans les ateliers de tissage en deux matières, en soie et viscose. C'est teint dans les ateliers de teinture, la trame en noir, ça vient ici noir et blanc. Est-ce qu'il y a un grande différence pour les prix entre soie et viscose? Non, la viscose est une matière naturelle, c'est du bois. Oh d'accord. Si vous voulez savoir, ça coûte plus cher la viscose. D'accord. Alors, donc c'est le travail qu'on fait. Alors ici, on a besoin de la viscose parce que si on avait tissé tout en soie... D'accord. On n'aurait pas pu travailler avec les couleurs. D'accord. So, alors, so, qui achète une chose comme celle-ci? Ça, c'est les cadeaux typiques de l'hôtel de ville, de la ville de Lyon. D'accord. Les musées nationaux, la haute couture. D'accord. Et d'accord. Nous avons ici aussi. So, alors, l'hôtel de ville donne les choses comme ce qu'on... Pour cadeau pour les étrangers, visiteurs. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, on a créé ce dessin, mais après on a fait tisser, on a fait teindre. Maintenant je peins. Chaque pièce va être unique au niveau des couleurs. Oui. Hein, je ne vais pas faire exactement la même chose. Ici, voyez-vous, le palmier est en orange, là-bas c'est en vert. Chaque fois, ça va changer. On va faire des pièces uniques. Après, ça va partir dans les ateliers de fixage. Ça, c'est d'or. D'or ou orange? Orangé. C'est orangé. Après, le fixage, ça va être des couleurs beaucoup plus vives. Alors, dites-moi, c'est combien le prix? 350 euros le foulard.
350 euros. 50 euros le foulard. D'accord, parce ouais. qu'on a besoin de 10 ans. D'accord, c'est pour l'hôtel de ville. Hein? ouais. Non, et non. aussi, il faut savoir que. Pour Noël. Il y a 10 entreprises lyonnaises qui travaillent dessus. Oui, oui. Ça ne vient pas de Chine. Oui, oui. Non, 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 oui. Non, je sais. Non, ce n'est pas trop cher pour le travail. Pour... Non, non, non. Bien sûr, il faut 3-4 mois pour faire 15 ou 20 foulards. Comment? 3-4 mois pour faire 15 ou 20 foulards. Un foulard, c'est chaque. C'est ça, voilà. Mais il faut passer par toutes les étapes pour arriver à ce résultat. D'accord. C'est un grand boulot. C'est bien sûr. Un ouvre. Bien sûr, parce que c'est plusieurs entreprises travaillent dessus. D'accord, je sais. D'accord. Donc, Hôtel de Ville peut offrir, d'accord, mais ça vaut. C'est un article de luxe. C'est un produit typiquement lyonnais. Ouais, c'est comme ça, c'est, ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est la peinture de velours, et de l'autre côté je peins au pinceau sur la soie blanche, mais là je ne peux pas vraiment vous montrer. Au départ la soie est blanche, et vous tout ça c'est la peinture de velours. On va envoyer au fixage. Oh d'accord. On va envoyer au fixage. Donc au départ la soie est blanche comme ça, et moi, je vais peindre au pinceau, paint for you. Ouais, non, c'est... Ça vous impressionne? Non, c'est ouais. Très joli. Et bon, moi, j'ai déjà fini, mais juste pour vous, je peux juste montrer. D'accord. Il faut avoir un geste très, très, très sûr. Donc, comme j'ai des couleurs liquides... D'accord. Je dois avoir un geste... Alors, celui-ci, c'est un pièce. Oui. C'est une pièce pour un drapeau ou quoi? Non, on fait des foulards. On fait des foulards. Ça va partir au fixage. Après, ça sera coupé, des carrés, des écharpes, des étoffes. Oh, d'accord. Pour un écharpe, par exemple. Voilà. D'accord. OK. Well, Anne, merci bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, c'est un... Non. Vous êtes de quel pays? Nous sommes anglais. Anglais. Oui, anglais. J'ai reconnu. D'accord. Oh, c'est mon accent. Ouais. Et vous parlez bien, vous parlez. Oh, un peu. C'est original d'enregistrer comme ça. Non, parce que je pense, moi et ma femme, on pense que c'est très intéressant dans notre voyage. Bien sûr. J'aime faire une vidéo, un reportage de oui. tous les métiers, les ouvres oui. de chaque nation, chaque région. Bien sûr, chaque région a ses spécialités. Et la soirée lyonnaise, c'est le dernier atelier où on travaille de façon traditionnelle. Ça date depuis 4 siècles, la soirée lyonnaise. Donc, c'est la spécialité de Lyon. Oui, monsieur, monsieur Jacquat. Oui, bien sûr, le tissage pendant 4 siècles. C'est, combien siècles? 4 siècles. 4 siècles. 560, quelque chose comme okay. ça. Bon, merci, Anne. François Ier. Merci. Je vous en prie.